Coucou! Bon, allez, on sort les doigts du cul et on commence à jouer, je pense, hein. Je suis pas sûr. Il serait peut-être temps. On va mettre du son. Voilà. On va peut-être régler la caméra, je sais pas, après. On s'en fout de ma gueule, non? Oui, on s'en fout. Hop, 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 on s'en fout. Tout titre petite, ouais. C'est parti. Ajustez vos paramètres d'écran. Oh, parle pas trop fort, toi. Hein. Moins de graines. Hein. Merci. Sélectionnez votre profil. Ah. Occasionnel. Je suis un expérimenté, moi, de ces genres de choses. Veuillez ne pas éteindre votre système quand ce symbole s'affiche. Ça va, Pink? Bonne fête, Vous Pink. Vous pouvez maintenant commencer des trois. N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire. Ceci est notre avenir. Re. Comment ça va, Pink? J'étais pas dans mon lit. J'étais parti faire un café. Oh, ça peut aller. Le négociateur vient d'arriver. Et oui. Le négociateur vient d'arriver. Ah oui. D'accord. Hop, 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 je prends la photo. Des poèmes. Ça va. Vas-y, raconte-moi son poème. Oh merde. Pauvre aquarium. Un court ami. Oh. Je le sauve, eh oh. Attends. Poisson comme ça. Qu'est-ce que c'est celui qui a sauté ce bâtard? Il est beau. Bah tant mieux. Ah ouais, ok. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Ouais, mais attends, d'abord je sauve les poissons, après ta fille. Hein. Vous avez envoyé un autre homme. Venez, madame, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Il est sorti hier, Pink. Vous avez envoyé un véritable. Non, pas hier. Il est sorti vendredi, le 25. Ne laissez pas ce truc d'approcher d'elle. Éloignez-le.
Ah, il a des néons dans l'aquarium. Ouais. En tout cas, il est mal fait l'aquarium parce que, je sais pas, les algues les plantes. Ouais, tu es en retard. Après, moi, je l'ai pris parce que j'avais Far Cry et je suis allé à Micromania, il te le... Tu l'avais à 30€ et 70. Grande folie. Allez, on s'en va, c'est bon, la fille est sauvée. Pas. Trouver le commandant. Commandante. Où est le commandante? Ah. D'accord. Le commandant, il est là-bas, au fond. Overwatch. Il faudrait que je m'y remette aussi, mais bon, on peut pas tout faire. Je remonte le groupe de R6. C'est compliqué. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Oh, bah qu'elle tombe, hein. Oh. Code de désactivation, nom du déviant, comportement. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? J'en ai aucune idée, ça change quelque chose. J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Tu travailles plus R6 si, je crois que tu es sur R6 aussi. Connaissez-vous son nom? Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Ah, probabilité de réussite 48. Ah, c'est bon, moi j'ai ma chance avec moi. Ah, apparemment il y avait une arme 9 mm. Oh, parfait. Ah, oh, bah, de toute façon, hein, ça. Il n'y a que de ça sur ce jeu. Ah, tu parles English? Toi, speak English? Ah, bien. En tout cas, ils sont parés, eux. Moi, je suis là en mode bonjour. C'est pourquoi. Ah, apparemment, il y a un mort. Qui c'est qui est mort? Oh, c'est un policier, c'est pas grave. It's very good, my friend. Good, good, good. Ah! Qu'est-ce qu'il a dans la main? Ah! Il a dû tirer. Harbatar. Ah, sur la joue. Ah, mais. Bah, il est décédé, hein. Ça. Voilà. Ah, j'ai. Non, j'ai pas du tout écouté, hein. Oh, on s'en fout, les deux policiers, non? Ah merde, fallait reconstituer la mort. Non, mais on s'en fout. La fille, c'est plus tard. D'abord, voilà. Lui, c'est le premier sur les lieux. Eh ben, putain. On va voir sa mort. Alors. Il est arrivé. Oh, les mains! Enculé! Il lui met les mains en l'air. Hop! Oula, il a pris une balle! Ah ouais, 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 ouais! Je confirme. Ah, d'accord! Ah ouais! Ah, son arme, elle est partie un peu loin quand même. Sous la table. Il a tiré sur le cyborg du coup. Ouais. Il a tiré sur le cyborg et l'autre il lui a dit nope. Tiens, j'avais pas d'arme. Maintenant, j'en ai une.
Oui, prendre. Prendre. C'est à moi, ça. Hop, 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 hop. D'abord, je rends ma revue, s'il vous plaît. Ah, merde. Il y a encore un mort. Oh, quel dommage. Je voudrais bien activer le son. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Ah. Ouais. 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 Le cyborg est déviant. Bon, ça va les couilles, hein. Allez, ciao. Ah, ça c'est Pink. Elle a oublié de sortir les pattes. Oh là 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 là. Bon, je crois qu'on a tout fait. Non, il y a encore des trucs à faire. Le sang par terre. Alors. Du sang bleu. Ouais, moi aussi je fais pareil. Alors, ouais, d'accord. PL600. Pink, elle t'écoute en fabriquant sa lessive du trim. Tu fabriques ta lessive ? Prêt à attaquer. Ah, la gosse a perdu sa chaussure. Je répète, la gosse a perdu sa chaussure. D'autres? Ah si, là-bas. On va tout analyser. Ah! Par contre, ça, c'est pas un policier. Ça, c'est le père. Une querelle sur la table. Une partie de jambes en l'air qui est mal finie. Ok. Ouais, au pire. Bien le savon de Marseille. Bon, comment il a fait sa mort? Oula, à mon avis. Ah, d'accord. Il était dans son dos. Il avait une tablette. Il s'est levé. Oh putain, il a une arme. Oh. Et la table était cassée? Ah ouais, quand même, il en a pris... c'est la tablette que je cherche. Elle est partie jusque là-bas, la tablette. Au Lang. Ton linge est plus doux. Ouais. Mais moi je fais pas ma lessive. Pas encore. Il avait commandé un Android. D'accord. Il y a un truc là-bas. On peut pas aller plus vite. Ah, c'est la chambre du gosse. Alors, ah, elle a une tablette elle aussi? Eh ben putain. Transparente en plus. Ouais, c'est pas mal en tout cas. Qu'est-ce que tu ramènes de Périgord? Oh, du savon de Marseille. Ah, il était d'où? Bah, de Marseille. Eh. Ah, de la musique. Alors, y a-t-il quelque chose d'autre à analyser? Non.
Je pense qu'on est pas mal. Ah non, il est allé dans les toilettes se refaire une beauté. Et pourquoi il est pas rentré? Y'a rien? Chaque seconde compte? Eh ben putain. Ça fait bien pied un cyborg. Eh! Faut bidonner l'huile. Il y a des traces de sang partout. Mais il y a des humains aussi, hein. On va d'abord regarder avant. Ah! D'accord. Qu'est-ce que tu fous, bordel de merde? Tu vas lui parler plus, non? Bah non. Il tire, moi j'y vais pas, hein. J'ai peur. Ça me bat les couilles, des humains. Fais pas un pas de plus ou je saute! Ah! Allez! S'il tire, il est mort. Bonsoir, Daniel! Comment? Je m'appelle Connor! Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi! Je viens de sortir de ce mauvais pas! Putain! Juste discuter et trouver une solution. Discuter? Je veux pas discuter. C'est trop tard de toute façon. Je suis trop tard. Est-ce que t'es armé? Non. Je n'ai pas d'arme. Tu mens. Je sais que tu as une arme. Je te dis la vérité, Daniel. Je suis venu sans arme. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Et j'étais avec leur souhait. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Il perd du sang. Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Je suis d'accord. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant? Je vais lui poser un garrot, d'accord? Touche pas. Touche pas. D'accord. 94, pas mal. Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Si je meurs, tu meurs. Elle meurt aussi. Oh, tu doucement. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère maintenant. Accepté. Allez, dégagez. Inspirer confiance. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. Même moi? Et je veux une voiture. Une voiture? Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir.
Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Ok. Je te fais confiance. Allez! Tirez-lui dessus! Allez! Voilà! Ça, c'est bon! C'est ça qu'on veut! Ouais, je t'ai menti. Tu m'as menti, Connor. Tu m'as... Allez, une balle dans la tête, là. Il est pas mort. Ah, si. Bon travail. Mission accomplie. Ah. Un bon petit travail bien fait. Et toi, Pink, c'est quand que tu descends sur Marseille? Ah d'accord, en fait c'est des branches pour voir comment on passe. Ouais, après, de toute façon, c'est soit tu instaures la confiance et tu sauves la gamine, soit tu instaures pas la confiance et je pense qu'il saute. Ou il la tue. Sur la finalité, il meurt quand même. Mais j'aime bien ce genre de jeu où tu fais des choix et ça change l'histoire. C'est un assistant ménager au diable. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez Zoé, on y va. Et vérifier les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Wow. Sans soit elle vit, soit elle meurt. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Après, niveau graphisme, il est beau. Ah, d'accord. En fait, c'est nous qu'on achète. Comme on achète des chaussures. Il comprend une garantie pièce et main d'œuvre de 2 ans. D'accord. La nuit, il passe en mode surveillance. Putain. Dire que peut-être dans l'avenir, ça sera comme ça. Excusez-moi. Le prix du MP800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Mais je peux vous le montrer par ici. Putain. J'aime pas trop sa tête. Alors, en 2 secondes, est-ce que j'ai fait une chat à partie? Je crois pas. Tac, tac. Peut-être plus de ménage, plus de stress, plus rien, voilà. Mais il y a toujours, comme là en ce moment, il y a une polémique avec les voitures autonomes. Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Oh, il y a une voiture autonome qui avait le choix, soit elle sauve le passager, soit elle sauve le piéton. Elle a décidé de tuer le piéton et de sauver le passager. Vous lui avez donné un nom ? Ma fille, oui. Donc voilà, c'est bizarre. Enregistre ton nom. Kara. Kara. Puce. Je m'appelle Kara. Ouais, t'as juste à profiter de la vie, mais bon. Si on peut plus rien faire, ça sert à quoi? Je sais pas. On cuisine plus. On fait plus le ménage, on travaille plus. Ouais, ça va être ennuyeux. Ouais, tout sympa la musique.
Salut Joshua. Au moins tu me vois en vrai, Joshua. En vrai. Vu que tu fais partie du groupe. Comment tu vas? Ouais, après, non, t'as pas Far Cry, t'as pas de nouveau jeu. Parce que 30 euros à Micromania, on revendra un autre jeu. Ouais. Après, en occasion. Pink. En nos cas, je pense que tu vas le trouver rapidement, hein, Pink est moins cher. Hein. Se rendre à la boutique Bellini. Bah, il y a un truc là. J'ai pas d'argent. Ah, tant pis. Pourquoi le réchauffement climatique impacterait que l'Amérique? D'accord. Ouais, ça c'est les actualités pendant ce moment, le niveau de la mer qui monte. Ouais. Autre chose à lire. La dèche totale. Moi, ça va. D'ailleurs, bah merci pour le follow, mec. Vu que tu es là, Pink, il faut que je te. Faut que je change mon casque parce que j'ai un problème avec celui-là. Au niveau du. Je pense du fil encore. Et j'y grésille. Donc je pense prendre un Turtle Beach, le Elite Pro. Non, pas Konix. Je veux un avec un boîtier. Et filière. Obligatoire. Ah, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Bonjour. Oula. Il y a un problème électrique là, non? Ouais. Il ressemble à Grey, hein. Ouais. Ouais, mais les écouteurs, je suis pas. Je suis pas du tout fan. Franchement. Comment tu vas, Joe? Parce que moi j'avais plutôt vu. Tac 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 tac. Où est-ce que je l'ai, le lien? Ouais, c'est vrai que maintenant dans les jeux vidéo, avec toutes les logiciels qu'on a, ils s'amusent à prendre des vrais visages. Moi, c'est celui-là que j'avais vu. De casque. Ouais. Chanteur. Ouais, mais... tu parles de moi, Tio? Oh oui, je sais que je suis beau gosse. Ouais. Voilà ce qu'on est rendu. Trop de robots. Plus de travail. Un peu le monde de maintenant, non? Ouais, Joshua. Est-ce qu'il le branche en...
en optique et USB, ou est-ce qu'il le branche à la manette, si tu sais. Yep, Neat West. Comment ça va? Ça va, toi? Oui. Tout bien. Pas mieux que c'est pas 150 balles qui coûte Pink le casque que je compte prendre. Putain de manette, il avait le flamme. Ouais. Je verrai. Il chante bien en tout cas lui. Mieux que moi en tout cas. Putain de beau jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Super beau le jeu. Ouais, t'as vu ça? C'est quoi en gros l'histoire? On est dans le futur, les robots bah ils sont là pour aider les humains. Et il y a des robots bah qui ne... Il y a des pas qui sont méchants. Voilà, qui sont déviants. C'est un petit peu Joy Robot. Ouais. On a fait la première mission, il fallait sauver une gamine face à un robot. Et voilà, en fait, le personnage il est un peu dark et... C'est un robot. C'est un robot le personnage? Ouais. Mais il est full gentil ou il a des petits côtés un petit bah, peu. Bah en fait c'est toi qui choisis. Ah ça c'est un système de choix. Ouais. Ah c'est bien ça. Identification vérifiée. Ok je choisis, je regarderai alors. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99$. Merci de graphiquement c'est une claque. Ouais, graphiquement, mais je l'avais déjà essayé. Paiement confirmé. À la PGW. Transaction effectuée. Le mec de Sony. Tu peux ton personnage, tu peux lui changer ses traits, tout ça, comme ça. Changer quoi? Bah, en gros, changer le visage. Pour l'instant, j'ai pas vu. Peut-être au début, parce que moi je suis allé vite, mais peut-être qu'on peut changer, ouais, je sais pas. Un peu comme beaucoup de jeux où ils te mettent un truc random et après. Ouais, peut-être. Les contrôles, sinon il est top. Ouais. Bon, après, c'est difficile. Difficile, c'est pareil. C'est... Y'a que la caméra de temps en temps qui est un peu chiante. Sinon, ça va. Moi aussi, j'aimais bien le guitariste, mais bon, au bout d'un moment, hein, voilà. En plus, je lui ai même pas donné un dollar. Je sais même pas si on peut lui donner. Vu qu'on ça paye par télépathie. Gentil. Qu'est-ce qu'il y a, Nitoès? Sois gentil, va lui donner un dollar si tu peux. Mais je sais pas comment donner un dollar. Ouais, c'est nickel pour moi. Ah merde, il a arrêté de chanter. Ah si, il est là. Comment on met des sous? J'ai pas de pièces. J'ai pas de monnaie. Un cyborg face à sans abri, il fait quoi? Ça bat les couilles. Oula, t'as un pigeon? Les machines, mesdames et messieurs, sont censés nous servir. D'accord. Tu vas où comme ça, t'as de ferraille? Ah. Coup de boule. Coup de boule balayette. Tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Oh l'enculé. Regardez-moi ce pas petit fils de pute. Tu voles notre tarte, à toi. Mais tu peux même on pas... On se verra bah, ce soir si t'es là. Allez. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ouais! Tu l'as bien mérité! Vas-y! Rends-moi mon travail! T'as nulle part où aller! On va te défoncer ta petite gueule! Ouais, démonte-le! Vas-y! Tap, 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 tap! Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon. Il autorise à se défendre? Je sais pas pour l'instant, il n'y a pas d'action, mais je pense que oui. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. Sans réflexion. Moi, j'y retournerai là, je lui foutrai un coup de boule balayette. On peut pas? Non, on peut pas! Putain.
On disait tout à l'heure, dites-ouest. Tu veux un robot dans le futur qui fasse tout à ta place ou pas? Bah franchement, en fait avec le film iRobot, quand j'étais gosse, ça m'a limite traumatisé. Et j'apprends à mort le jour où on en aura comme là qui circuleront librement. Ça fait bizarre. Parce que encore si c'est un truc où tu programmes genre des actions simples, tu dis bah tu fais ça. Mais quand il aura une intelligence artificielle qui pourra devenir plus intelligent que toi, ça va puer pour. Y'a Pink qui dit honnêtement un androïde aussi sexy ça me va. Enfin d'ici le temps qu'on en a des comme ça tu seras mort je pense. Ouais je pense qu'on sera tous morts. Parce que les premiers sur le marché du robot je crois que c'est les Chinois ou les Japonais. J'arrive jamais à savoir lequel est en avance. Et ils sont pas ouf hein, leurs robots pour l'instant. Ça s'améliore mais bon après des fois il suffit d'un... Et ça va. Ah, ouais, vite, tu vas trouver un truc et ça va aller plus vite, mais ça va se rebloquer sur un autre truc. Et moi d'un côté, j'espère que toute ma vie ça restera bloqué sur des conneries. Ouais, pour des actions simples, pourquoi pas, genre limite robot ménager, tu vois. Mais t'as besoin du taf, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de taf à l'heure actuelle. Ouais, déjà qu'on est en train de tous se faire bouffer avec. Bah, ça serait bien de mettre des robots dans le monde du gaming, dans mes 2-3 par-ci pour aider les studios quand ils font de la merde, tu vois. Ouais. Et qui joue à ma place. Mais je mets la caméra et il fait semblant que c'est moi qui joue. Les gars, tu mets un android à ta place pour commenter, comme ça je te coule douce et t'as deux androïdes qui bossent pour toi. Très belle l'action de commando. Mais même niveau électricité, ça doit coûter une blinde. Oh putain, ouais. À part s'ils foutent des trucs solaires pour le recharger. Ouais, y'a encore. Dans le civil. Alors Pink, elle a dit va te faire full, ce rageux anti-android, je suis pas vieille. Pas vieille, ouais, mais t'es déjà un peu plus âgé que moi. Donc même moi, j'espère qu'ils seront pas au point quand je serai mort, tu vois. Donc toi, laisse semaine, tomber. Limite, t'as vu les dinosaures en plus, Pink. Franchement. Elle est en train de se dire, mais c'est qui ce branleur? Je préfère cloner des mammouths. Cloner des mammouths. Le jour où on aura des cyborgs. On va pas voilà, les brancher à une prise. J'espère, hein, parce que. Le bain, tout le bordel. Bah, ça serait bien, moi, tu dis coucou, je panier, oui, et puis voilà. Tu commences en bas, après, tu vas à l'étage. Comme les robots aspirateurs, ils retournent au panier. Mais d'un côté, je le comprends quand même, l'humain qui a foutu à l'android, parce que t'imagines, c'est à cause de lui que tu perds ton taf. Bah. En même temps, si les androïdes, ils font la bouffe. Ils travaillent à ta place, ils font le ménage à ta place, ils font tout à ta place, ils conduisent à ta place. Tu fais quoi? Le problème, c'est que t'auras pas... l'argent que tu gagneras grâce à ton android, ça financera justement les frais de ton android. Donc en gros, il bossera pour lui-même au final, et toi, tu seras là, bah, tu récupéreras bah, les restes. Parce qu'à mon avis, un android entretenu, ça va coûter des couilles. Hein. Ouais. Regarde là par exemple, l'android, bah, je fais le ménage. C'est nul. Oh, le gars il fait ce qu'il fait pas chez lui, mais il le fait sur la play. Ah ta gueule, je fais ça chez moi. Ouais, je peux t'en trouver. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette poubelle? Je t'amène ça demain. Ouais, mais Pink, ça le problème c'est que tu vas les construire, les entretenir, mais après t'auras les androïdes qui sont capables d'en construire eux-mêmes et de les entretenir, et à ce moment-là tu seras complètement inutile. Moi ça me fait réfléchir ce genre de jeu, mais je suis ultra sceptique franchement. Je veux cette meuf. Après t'imagines, tu prends un robot, mais il te fait la cuisine, mais il te met du poison parce qu'il est plus intelligent que toi. Je sais pas. Bah faut pas qu'il soit doté d'une IA, c'est ce que je disais, comme là. Là, si elle est réduite à faire des tâches simples comme ça, bah c'est non, mais on peut pas remplacer un homme, Joe. On peut pas remplacer un homme. Il a dit quoi? C'est les filles qui seront contents. Ouais, mais ça, c'est bien, c'est pour des tâches simples. Mais le jour où il y aura une IA où il pourra réfléchir de lui-même et tout, là, ça commencera à être différent. Ouais. Par contre, il y a un problème. Elle est passée de une poubelle dans chaque main à une poubelle qui a disparu. Attends, elle avait une dans chaque main, elle ouvre la porte et là, elle va en avoir deux. C'est ça. Il y a un problème là.
Parce qu'elle a une poche secrète dans son corps, tu vois, où elle pouvait faire sa poubelle. Une double main. Regarde, regarde, elle peut le refaire là. Disparition. Tâche urgente, poubelle sortie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un buisson propre. Oh, torche. C'est énorme, c'est que. Tu vois vraiment Détroit en mode limite époque moderne là, avec les maisons là comme là où t'étais. Ouais. C'est quoi l'époque du jeu? Là on est en 2038, 2068, je sais plus. Ouais, donc c'est pas forcément loin. Non. Ah, moi je suis tout à fait inconscient, hein, Ping. J'ai déjà fait des trucs comme ça, hein, après. Ah! Bordel de jeune inconscient. Ça c'est pratique par contre. Il te manque le processeur là, bim bim bim, commandé. Ça y est, c'est commandé. Réception dans 30 secondes. Là t'as un drone qui te le dépose devant la porte. Le drone Amazon. Y a un problème lui. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire mais arrête de me gonfler. Ça c'est bien. Par contre, il crache du sang ou je dis. Mais arrête de quoi il a dit? Arrête de me gonfler. Quel bâtard. Ranger la chambre. Ah, il fume sa pipe tranquille là. Ouais, mais il a craché du sang. Ouais, c'est un gars malade à tout. Ouais. Comment elle s'appelle? Le robot, hein. Pas mal, hein. Quoi? C'est bête parce qu'on peut pas. Ah, c'est... non, on peut pas se mettre dans une vue. Une vue? Vas-y. Une vue. arrière. Ah, si! Ouais, mais on voit pas grand chose. Bah c'est ça, Joe, mais au final, le jour où t'as une IA qui sera suffisamment intelligente et assez indépendante, bah si pour le bien de la Terre, faut qu'elle tue les humains, elle le fera. Bah justement, quand tu étais pas là, Joe, quand on disait la voiture autonome qui a décidé d'écraser le piéton parce que pour sauver le bah, la personne dans le véhicule. Et pourtant, dans apparemment... Non, pas dans le jeu. En vrai. Oh, j'allais dire. En vrai. Je te bah oui. Comprends ça. Ouais, c'est passé il y a pas longtemps. C'est pas pour aujourd'hui les voitures. Bah apparemment en 2020, 2002, je sais pas combien, dans pas longtemps, c'est autorisé en France. Bah ouais, Renault, ils ont déjà fait les tests avec le nouvel espace. Oh là là, Nit West, t'as picolé au lit. Oh. Quoi? Bah il y a des bouteilles partout. Je sais pas si c'est du. Non, je crois pas que c'est Uber Car. Je sais pas. C'est aux États-Unis en tout cas. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est la voiture autonome. Et j'ai lu ça que. C'était pas une Audi ou un truc comme ça. Aucune idée. On dit quelque chose maintenant. La question c'est pas combien d'accidents avec classique et combien avec Uber Car. C'est que là elle a quand même tué quelqu'un délibérément. L'IA elle a décidé comment elle décide qui sauver, qui tuer. C'est compliqué. Toi-même quand tu es face à ça, tu n'arrives pas à te décider, alors comment le robot il se déciderait? Ah, des médocs. Médiqué. Oula, trouble du comportement. Oh, sympa. Oh. Et elle relève même pas. Putain. Oui, ça oui. Ou une action souvent bénéfique. J'aime bien le souvent qui peut pas dire tout le temps. Putain, quelle agressivité.
Ah! Mais il est pas cool lui. Non, il est pas cool. Ils sont pas tous comme ça quand même. J'espère. Ah, on peut voir. Ça, c'est bien fait! Un jeu enfin où tu vois ton ton reflet dans le miroir. Ah ouais, putain, le miroir il est trop bien fait. Franchement, ouais. Je suis choqué. Dans la vie, on mais la pink, fait c'est le fait de laisser les robots le faire eux-mêmes, tu vois. C'est un débat après, hein. Comme tout, hein. Ok, faut. J'aime bien cette action là, mais par contre, ouais, je suis pas très bon dans cette action là. Monter, descendre. On voit le geste sur ta caméra. Oh, c'est gênant. On voyait ta main monter du centre. Innocent. Oh, c'est pas moi, c'est le jeu. Attendez, hop, je remets la braguette. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Lily. Ah, vite. Ah ouais, c'est vrai ça, ouais. Si le système Joe, des voitures. Et ouais. Il y a quelques années, ils en avaient parlé, c'était pas quand tu... Ça remonte, hein. Et on va me prendre pour un con peut-être, mais je crois que c'était à l'époque de BO2. Je sais pas, t'as joué à BO2 Commando? Oui. Le méchant Menendez, quand il se met dans le porte-avions, qui hack un drone, ceci, cela, et en fait, c'est un truc en chaîne, où à partir d'un drone, tu peux en hack un autre. Oui. Et il y avait des gars ultra sérieux qui avaient fait une étude comme quoi c'était possible à l'époque du jeu que à partir de un drone hacké, t'envoies le virus à tous les drones et tu maîtrises tous les drones d'un pays ou tous ceux qui croiseront au fur et à mesure. Donc si par exemple t'as un drone aux États-Unis que t'as hacké qui croise un drone français, et bah à ce moment-là t'auras hacké le drone français. Quand tu vas retourner au hangar, t'auras hacké tous les drones français. Ouais. Mais en gros un truc en boucle et c'est possible en plus. C'est fort après, probable. C'était possible en 2000, enfin en IPO2, mais après à l'époque actuelle, ça reste à voir. Il y a justement plein de gens qui ont peur de ça et. Moi, c'est ce qui m'en sceptique à mort. Elle est où la chambre du gros porc? Par contre, c'est un jeu qui se finit ou au final, c'est juste tout le temps des missions qui suivent? Des missions un peu random? Bah là c'est random, je suis pas obligé de faire tout ce que je fais, mais c'est des missions secondaires on va dire en quelque sorte. En gros c'est pour faire un peu d'argent dans le jeu. Je sais pas si c'est une question d'argent. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? T'as une donne envie, t'avais testé la bêta toi? La PG. PGW, j'y étais allé. C'est marrant la petite vision que là tu vois avec tous les objectifs à faire, ça me fait vachement penser à cette division quand tu mets un tile sur les. Comment ça s'appelle? Ah putain, t'as des bracelets sur les agents et en fait quand t'en vois un, ça te met toute une scène autour qui a eu lieu, plein de trucs comme ça et ça fait. C'est vachement ressemble. Ah, des drones, il y en a de plus en plus, Pink au fait. Hein. Non, il y en a une flopée en Pink. Après, je sais pas qu'il y en a non plus 3 milliards, mais en gros, dès que t'en as un qui va croiser un autre drone, il pourra lui hacker. À l'époque, j'espère que ça a été. Vu qu'on a de plus en plus des véhicules connectés, moi, ma voiture, elle est totalement connectée. Hein. Bah, les voitures. C'était Volvo qui avait fait le test. Les voitures qui se garent toutes seules avec le parc assist. C'est joli. À partir de ça, vu qu'elle peut juste pas passer les vitesses, mais en marche avant, marche arrière, en première et en marche arrière, la voiture peut être contrôlée à distance. Elle rentre bientôt. Donc elle ira pas vite, mais tu peux à partir d'un téléphone si tu as que la bagnole, tu peux contrôler la bagnole. C'est un prix de fou. J'espère que je ne te fais pas. Rien de bah c'est BMW, c'est pareil. BMW, ta caisse, tu descends et elle se gare tout seule à l'avance. Avec ton téléphone, t'avances, tu recules, bah comme quoi c'est possible. Mais bon, Overwatch, Pink. Si tu le stream, je passerai puisque.
Je sais pas ce non, que... c'est nul. Moi j'aime pas Pink, elle est pas gentille. Elle me prend pour un toxico. Ouais, attends, c'est... elle me dit elle est bonne, ça me moquait. C'est pas gentil. Tu m'as blessé, Pink. Et toi, on veut suivre l'histoire. Mais y'a pas d'histoire, elle fait éclater une maison. Ça peut être une histoire, hein. Un trèfle à quatre feuilles, la photo de ses parents, à mon avis, sa mère est morte. Oh. Ouais, le père il a bien changé. Des dessins. Oula. Il est un peu bizarre son dessin. Ouais, d'accord. Ah, d'accord. Oh, c'est un dessin de gosse. Ouais. C'est vrai quand tu montes au fur et à mesure. Ouais, elle se met en alerte. À mon avis, le père. Ah oh, putain. C'est un anti-androïde. Ah, mais pourquoi avoir pris un anti-androïde, mais le... Bah ouais, c'est vrai. Bah, peut-être qu'il veut le tuer un par un après. Ouais, mais il les paye. Je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bah après, peut-être que tu payes le service, mais que si ton drone, ton Android il te lâche, il t'en amène un autre. Mon fils, il te dit, ah ouais, tu aimes pas, bah ferme ta boîte à camembert. Nettoie, ferme ta boîte à camembert. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil. Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. Robo, tu es le père. Quoi? Pas ça? Ah bah d'accord. Oh, les visages. Ils sont bien faits. Ouais. La gosse qui pleure. Ah, la petite larmichette. Alors on est en 2038, voilà, même on le sait. Est-ce que tu imagines là? C'était pas trop. C'est pas très loin quand même, 2038, c'est que dans 20 ans. Ils pensent que dans 20 ans on aura des robots? Pareil pour moi. Non, s'il te plaît. T'as vu Pink? Le robot appelle. Pas spoil, même. Elle va le tuer. Mais non, mais c'est pas vrai. Ah, donc si je comprends bien, en fait, on est plus... Ouais, ok, ouais. On fait plusieurs vies de robots. Ça s'arrête pas à un seul. Il est chez lui? Oh putain, il est sa maison et tout, le gars. Manger, l'oiseau. Attends. D'accord, des oiseaux cyborgs. C'est vrai? Pourquoi pas? Là par contre, non merci, ça ira, des oiseaux cyborgs, quoique bon, quand t'en as marre... ouais, mais quand t'en as marre, tu leur fermes leur gueule. Là, tu fais... Moi je suis pas du tout ton avis, Pink, de les prendre, les oiseaux cyborgs, non. Au moins ça suffit pas, mais après t'as pas la joie des oiseaux, je sais pas... C'est comme si tu prenais un chien cyborg, je sais pas. Quoique... Oh ouais! Au moins il chie pas.
après, tu me diras, il y a des gens, on veut mieux qu'ils aient un chien cyborg qu'un vrai chien, vu comment ils sont. Ouais. Putain, il est pas mal cet écran. Putain, il marche des deux côtés en plus l'écran. Oh, je veux le même. Oh ouais. Ah, puis c'est pas la même image genre miroir, c'est vraiment la vraie image qui tourne. Mmh. Toujours les mêmes infos. Pas faux. Vie extraterrestre, ouais. Ouais, un oiseau n'a rien à foutre en cage, mais bon, après, on a de plus en plus d'animaux divers et variés. J'aime bien les têtes de mort, là, comme ça, là. Ouais, c'est sympa. Mais je comprends pas, il est chez lui ou chez quelqu'un? Bah, ben, le robot, c'est... On va pas dire qu'il est chez lui, mais... Ouais, la girafe. Je suis choqué. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, ouais. C'est sûr que si t'as un robot... Mais ça, on l'a déjà lu, merde. Si t'as un robot... Bah... Tu te réveilles à l'heure que tu veux. En plus, c'est lui qui vient te réveiller. En douceur et tout, une petite léchou sur l'oreille. Hop, on va aller, on va aller, on va aller, on va aller. Ah, merde. Bah, je sais pas. Putain, mais c'est quoi ça baraque? Il a pas envie de voyager. Par contre, les portes qui s'ouvrent automatiquement quand tu arrives. Moi je dis oui. Donc c'est stylé. On se voit dans un magasin, genre. Par contre, si t'es totalement noir, t'arrives, il y a tout qui s'ouvre. Mode vitre. C'est quoi ce peine de merde là? Il a tout mis en vrac. Oh là là. Ah, ça on dirait le robot de... Non, Iron Man. Ah oui. T'as des petites références. Ouais, des clins d'œil. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire ici? Ouais, là-bas. Ouais, t'en fous partout, le gars, il s'en fout, mais bon, je sais pas. Après, il y a de plus en plus de maisons totalement connectées, est-ce que c'est vraiment la solution? Ah, t'as le Monstana. De quoi? Ah oui. Je pense qu'on est affaire à un vieux. D'accord. Tableau, oiseau. Se battent et vous allez vous calmer. Pourquoi elle sort toute la langue là? Ils ont soif. Un peu bizarre. Il y avait marqué qu'il dormait à l'étage, il doit être par là. En tout cas, il a une bibliothèque vaste. Ouais. En fait, c'est des bandes dessinées. Ah, il est pas content. Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10h. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Putain, tu te réveilles, il te dit il pleut pas. Oh. Les averses prévues pour cet après-midi.
C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus ? Il est où son médoc à côté de lui ? Toi, tu n'oublies jamais rien. Elle a l'air cool. Comparé à d'autres ? Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Carl. Merci. Google Home, ouais, j'ai mais Google Home te réveille pas. Je grince déjà des dents. Quoique. Ah, si tu peux. Ouais, tu es ton pouvoir. Après, Google Home, il n'ouvre pas tes volets, hein. Et ton ouais. Si facilement, tous ces efforts pour les entretenir. Par contre, ne dis jamais OK Google, sinon t'es mort. Hey. Qu'est-ce qu'ils ont, tes vêtements ? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants. Ah, ouais, donc apparemment, tu peux le programmer. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques hommes. Moi, ils doivent pas les voler, hein, avec mon accent du Nord. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Elle a même pas besoin, Pink, d'ouvrir les volets. Ils sont ouverts. Ok. Ouais, sauf que. Et on avance, Pink. Oh non, faut porter le vieux. Et là, si je lâche L1 et machin, tu penses qu'il tombe ? Essaye pas, il a l'air cool ce gentil. Pourquoi on voit pas quand il prend la douche ? C'est le meilleur moment du jeu. Oula, j'ai peur. Il peut pas marcher ou quoi ? Ah non, il peut pas marcher, je confirme. Oh, le champagne, par contre, c'était Glock. Moi, c'était plutôt le chat bizarre. Ouais, le champagne. Ouais. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui ? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. D'accord. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. Le Monstana, ouais ! Juste des messages d'admirateurs que j'ai déjà répondu. Ouais, ok, en fait. Oh, par contre, c'est pas fluide quand tu tournes. Regarde quand tu tournes à droite d'un coup. Ça a tourné d'un coup à fond. Non. Allez, tu descends. Non, tu pousses. Faut aller où ? Devant la table. Ah oui, c'est vrai, je lui ai sorti le petit déjeuner. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Télévision. Tes filles. Mais si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner. Mmh, ouais. D'accord, Carl. Mmh. Trouver quelque chose à faire. Mais j'ai déjà tout fait avant qu'il se réveille le... Oh bah je joue aux échecs. Est-ce qu'on peut jouer ? Ouais, mais je sais pas jouer aux échecs. Quelqu'un sait jouer ? Ah bah ça joue auto. Ah non, ça remet des... Une casse le jeu de partie d'échecs. Oui, d'accord. Et une partie rapide. Va pour une partie rapide. Merde, j'ai pas eu le temps de choisir. Égalité, perdre, gagner. Bah perdre parce que je suis en robot. Bah normalement tu gagnes. Pas tout calculer. Bon, là, ça devient un peu trop facile. Tu as les circuits rouillés. Ou tu fais ça par pitié pour un vieil homme. Pitié.
J'ai pensé que ça vous ferait plaisir de gagner. Ne loupe jamais une victoire, Marcus. Si tu peux gagner, vas-y. C'est comme ça que l'humanité en est arrivée là. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Mentir. Non. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. De toute façon, tout le temps, hein. Plus confiance à un robot venir. Parce que le robot, il est, on va dire, carré qu'un humain. Pas ceux qui sont différents, Marcus. Il peut mentir tout le temps. De dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Non, je veux rejouer et gagner, espèce de vieux schnock. Il y a un problème. J'étais devant lui, je suis passé derrière lui. Hop, 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 je viens de voir quelque chose d'intéressant. Attends. On peut pas lever le siège. Hop, 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 hop. Putain, belle collection d'alcool, là. Ah, Pink, t'as pas tort sur ce point-là, j'avoue. Elle dit honnêtement, quand je serai vieille, j'aurais plus confiance à un robot qu'un humain pour connaître l'homme face à la dépendance. Crois-moi, les robots sont la solution. Ouais. J'avoue que sur ce point-là, t'as raison. Putain. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Ah, c'est ça le robot. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce tableau? Mais c'est... excellent. D'accord, là il est en train de peindre une oreille. Au niveau saleté, il en fait partout. Hein. Oh, baille pas! À ce moment-là, le gars se casse la gueule! Alors, quel est ton verdict, Marcus? Oui, c'est moche, mais bon. Quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Scepticisme, ça me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Car. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi tu as du talent. Ah, je vais peindre. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin. Baby. Peindre quoi? Passe par la tête. Fais un essai. Ah, la tête. Mais il n'y a pas de peinture sur son truc. Sinachtroum. Pas le guitariste. Bah, c'est même pas moi qui choisis. Ah ouais, bonne idée. C'est une copie conforme. En même temps, un robot. De la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde, elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Carl, je Oh le gars quoi. Je ne pense pas en être capable, ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Ferme les yeux.
Ouais. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Erreur, erreur. Alors, Android, humanité, identité. Android, c'est quand même quelque chose qui pense tout le temps, l'humanité, ouais, l'identité. Il a pas d'identité. Ouais, il a juste un nom. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, Pink pense comme moi, identité. Et toi, ouais, dis-toi. Oui, identité ouais. Aussi. On est trois. Alors, Android, désespoir, doute, prisonnier. Il est en quelque sorte, il est en plein doute. Il est ouais, oui. Mais il est en plein doute par rapport aux humains, parce que rien tout à l'heure avec l'altercation, au final, il se laissait faire, soyez. Je sais pas. Bonjour, je sais pas. Pink, elle aurait mis prisonnier. En même temps, un robot, il est prisonnier. Il est contraint à faire. Regarde, avec lui, il est libre aussi. Avec cet humain-là. Il est libre. Mais il peut pas, parce que ah oui, ses programmes ne sont pas... Essaie de le faire progresser. Mais est-ce que c'est bien? Bon allez, prisonnier. On verra ce que ça fait. Ouais. De toute façon, hein, le jeu, je pense que je vais le refaire plusieurs fois. Se faire lui-même en prison. Ouais, c'est vrai que ouais, il est limité par l'humain. Si l'humain lui permet pas de faire un truc, il pourra pas le faire. À gauche et droite, je connais pas ça. Moi d'habitude, c'est au bas. Hein. Ouais, comme tout à l'heure, avec ton manche. Là t'as 9 viewers, faut qu'ils parlent. Il y a bah, que Pink qui commente. Bah, il y a Joshua qui regarde. Mais il joue en même temps. Donne-nous ton point de vue. Ah ouais. Ah, j'ai pas encore l'image. Salut papa. Léo. Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite. Quand tu cuisines, mais tu fais quoi? Bah, prends un robot. Oui, c'est ça. Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? Putain. J'ai besoin d'argent, c'est tout. Le fils qui a besoin de fric. Parce que le père est fortuné. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Le tableau est vraiment bizarre, en tout cas. Qu'est-ce qu'il a de plus? Ouais, il est... Il est plus futé, okay. Plus obéissant, pas comme moi, hein? Parce que t'as quand même bien reconnu qu'il y avait le grand fauteuil roulant devant lui, tu vois. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête. C'est le début du jeu. Ouais, on est 2 missions après. Tes foutues peintures. Ah ouais, tu l'as vraiment commencé à personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Ouais, je pense, Pink, c'est un jeu qui veut essayer de nous ouvrir... ouvrir l'esprit. À voir, hein. Faut aller la fin du jeu pour voir ce que... Bah, le problème, c'est qu'il y a plusieurs fins, je pense. Tu penses? Bah, c'est vrai que selon tes choix... Bah, tous les autres sont à la fin. C'est con, hein. Ouais, on n'a pas tous le même point de vue et pas pour les mêmes raisons en plus. Je pense que c'est une question de vécu pour se décider. On n'a pas encore vécu réellement les robots. Si, on commence à peine avec les robots qui ont pris la place dans les usines. Les robots ceux qui... Ouais, ceux dans les usines, ceux qui tondent ta pelouse. Au final, c'est pas ultra avancé pour... Mais un robot qui fait vraiment tout à ta place... En usine, c'est pas vraiment des vrais robots, c'est des programmes en fait, c'est basique. Ouais. Ils se déplacent pas, c'est pas un robot pour en parler qu'on voit dans le jeu. Sûrement, Joshua.
Eh, la bâtard, Joshua. Certains chocs tu feras. Bah, regarde. Pour dire une connerie, j'avais fait à la PGW ce jeu-là. Et je sais que j'avais perdu ce personnage qu'on vient de voir là maintenant. Peut-être que j'aurais pas pu faire ce qu'on fait. Comment ça le perdre? Je l'ai tué dans la démo que j'avais faite. Merde, je croyais que les androïdes n'étaient pas autorisés. Ouais, les robots soldats, c'est pas encore au point. Les robots soldats, j'en ai entendu parler, mais on voit pas trop le visage. Ah ouais, c'est ce qui me rend sceptique, Capit. Moi, je suis d'avis de mettre des limites plutôt que ce qu'il faudrait pour être en sécurité. Même si je sais que c'est pas une bonne solution, mais le jour où tu donneras un peu trop de pouvoir, tu seras dans la merde. Boston Dynamics, ils sont pas encore au point. Ils font des concours à l'heure actuelle pour améliorer leur repos de base, mais il est pas encore apte au combat. C'était lui en haut ou c'était l'autre? Bon, c'est Christopher Gray, ça. C'est lui, je crois, en haut. Lieutenant Anderson, ouais. Je m'appelle Connor. Anderson. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Déjà sur le terrain, ces robots. Alors là. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman, la même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim? Les merveilles de la technologie. Sers-moi un double. Ah, Pink, y a un robot avec les conversations que t'as. Il apprend et du coup, il y a de plus en plus de discussions. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai une vidéo sur ça. T'as dit homicide? C'est pas un robot complet, c'est juste à la tête et bah t'as la tête avec l'intelligence, tu vois, mais. C'est sûr. D'abord l'armement. Toujours l'armement. Le nucléaire, ce qui fait le plus peur. Tu pourras jamais couper le nucléaire à un robot. Ça va partir en couille. De toute façon, tout le monde a du nucléaire maintenant donc. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la grosse scène, lieutenant. Ouais. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Ah bah t'as réussi à raisonner. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Allez. Joss Douglas, pour Channel 7, vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. C'est la police tout craché. On vous dit que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Ah, ouais, il voulait pas que je vienne et maintenant. Qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus.
Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. L'envoyeur nous a appelé vers 20h. Son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Y a rien à l'extérieur. Oh, bon sang, mais ça... Ah ouais. Mais c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol. Des voies de fer. En tout cas, il aurait bien fallu avoir un robot, lui. Il était plutôt du genre ouais. Solitaire. Red Ice. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. D'accord, c'est la même drogue que le père, il avait... C'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu. Écoute, de... Ça aurait pu attendre demain matin. Je sais pas. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines. Carlos, non, il s'appelait pas Carlos, le mec. Il arrivera. Il y a un... Ah non, c'était une maison. Couteau de cuisine par ici. D'accord, il y a peut-être l'androïde qui a tué le mec. Il y a des signes d'effraction. Non. D'après le propre... En tout cas, le sang est sec, donc ça veut dire que ça fait un petit moment qu'il est mort. Et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. C'est pas l'androïde qui aurait tué la fille. Non. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Ah, je sais plus comment il s'appelait. Mais elle ressemble pas à la maison de l'autre. Non, c'est pas la même maison. Donc, ouais, la cuisine. Oh là là! Oh cool, calme-toi. On va t'acheter des oiseaux cyborg, toi, ça va aller mieux. Hein. Quoi, c'est un pigeon que tu mets dehors aussi? Des pattes de baseball. Il y a des traces et des empreintes. Sûrement de Carlos. Ouais. Et. Mais le corps il est où? Il est dans le lieu déjà? Apparemment. Peut-être que j'y suis pas encore. Ah, attends. On peut reconstituer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il tape dans le mur? Ah, d'accord. D'accord, on est bien d'accord. C'est un robot qui a tué le mec. Le déviant, ouais, il s'est fait. Il lui a mis un coup de batte, 2 coups de batte, 3 coups de batte. Et au. Ah, bah d'abord, faut passer la salle au peigne fin. T'es sûr que c'est un robot le deuxième? Apparemment, ouais. Le sexe avec les androïdes, c'est mieux. Parce que. Ah! Ah! Ouais, je vais le lire un petit peu plus. Le plastique, c'est fantastique. 68% des hommes sont. Voudraient avoir un robot? Sur quelle étude ils se basent? Ils ont fait une série sur ça où ils avaient détourné l'utilité des robots pour en objet sexuel. Putain. Ouais, ils en avaient fait une série, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, dans les viewers, il y en a bien qui le connaît. Peut-être. Bizarre. Je sais plus. Pourquoi ils veulent qu'on regarde par la fenêtre? Ouais, très bizarre, je confirme. J'avais vu un extrait et ils étaient partis en couille. Donc encore une preuve là-bas. Et là-bas, il n'y a rien. Si, il devait y avoir un truc. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain. Ouais. Un écrit comme ça. Est-ce qu'il ne serait pas dans la douche? C'est de l'autre côté du mur. Ah! Attends. T'as loupé un truc, je crois. Attends.
C'est bizarre. C'est quoi ça? Ah, c'était un paranoïaque. Je sais pas, mais... J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Yes. De la Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la bringue, on dirait. Chris, tu me reste un truc. Ah, à gauche, il y avait un truc à lire, je crois. Là, il y a... Complète des narcotiques. Mais je l'avais lu le truc dans la cuisine. Ah bah. Non, il y a un deuxième, il semble. Je suis en vie. Non, alive, c'est quoi déjà? Hey Mike, t'as fini de prendre les échantillons? I'm alive. Déjà, c'est avec du sang. Ouais, c'est fait. Oula, il a pris quand même une quinzaine de coups de couteau. 28 coups de couteau. Oh, oh, oh putain. Je pense qu'il est mort avec 28. Ouais. 130 kilos quand même. Avec les morceaux, hein. Mort il y a plus de 19 jours. Ah ouais, quand même. Dans les mains. Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Il y avait que de ça, de toute façon, apparemment. Ah, il a trébuché, d'accord. Avant, il... Ok, le robot, il a poignardé. Et ils arrivaient de la cuisine, là où il avait déjà pris un coup. Donc, tac 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 tac. Ah ouais quand même. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il s'est éclaté. Il a, hein, été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Putain. Le robot Il a pas lâché l'affaire, hein. Il s'est fait plaisir, hein. C'est qui a ce truc là de... qui écoute? Déjà, je suis là. Tu peux mute s'il te plaît? Merci. Manquait pas un 10? Je regarde. Pas 9 sur 10. J'étais à 10 sur 10. Ah. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins, qui chose du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Là, j'ai tout fait. Le seul conserverait une trace. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Lève-toi, toi! Ce qui serait pas passé. La fenêtre est fermée. La fenêtre de la salle de bain était fermée? C'est ce que je suis en train de voir, il s'est fermé. Il a dû passer par l'entrée principale. Et que ça d'autre? Quand il a poignardé, de toute façon, il a dû avoir du sang. Attends, on va parler à l'autre. Je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé. Aucune idée. Dans la cuisine. Il
Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec nos poids. Moi, j'aurais essayé de continuer. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça? Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... Le salon ou la salle de bain? Le salon, je crois. Le salon. Légitime défense. Ouais. Et pourquoi avoir marqué I am alive? Se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a survécu. J'ai survécu, je sais pas. Je suis vivant. Avec le couteau. Comme si responsable c'était okay. Comme un humain. Ta théorie est pas complètement absurde. Ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Le but du jeu déjà c'est de dire bonjour quand on arrive sur un stream Azog. C'est un bon but. Les biocomposants androïdes. Très bon but déjà. Il s'évapore au bout de déjà quelques une politesse, ça serait pas mal pour commencer. Mais je parie que toi tu peux encore le voir. Ouais mais j'ai pas trop envie exact. De. Voilà. Maintenant il faut trouver du sang bleu. Ah bah du sang bleu il y en a partout là. Il est allé dans la douche. Dans la douche, ouais. Dans le frigo. Quoi? J'aurais tenté. T'as vu devant toi il y avait des traces. J'ai pas vu. Hein? Il y a un rideau là. J'avais même pas vu qu'il y avait un rideau là. Ah. Il y a une trappe au-dessus. En tout cas, il est allé dans la douche. Il a cherché une planque. Ouais, il cherchait une planque, mais il est. À mon avis, il est passé au-dessus là. Il y avait une trappe. Et il y avait une échelle. Putain, il me casse les pieds, il va falloir que j'y aille. Et la pitié, hein, c'est là. Oh, 2 minutes, hein, oh! Bah, je crie parce que tu me casses les pieds! Je crie parce que tu as le casque!